Bonjour YouTube et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée bien entendu à de la stratégie, comment il faut faire parce qu'on est pauvres, on est des free-to-play, on est des low-cost et l'année du mammouth arrivant, on se pose une question, wild, to be wild or not to be wild? Rester dans le standard ou essayer de préparer un peu, de faire du wild de temps en temps et donc ça se prépare, pourquoi? Mais parce qu'il y a un certain nombre de cartes qui aujourd'hui sont disponibles avec des aventures, donc avec des golds, vous les achetez pour avoir ces cartes-là. Et demain, ces cartes vont passer dans le standard et on pourra les crafter. Donc la question c'est, vaut mieux acheter les instances ou vaut mieux attendre et les crafter? Et voilà, moi ce que je veux dire, si vous avez envie de vous faire du wild, si vous n'avez pas envie de faire du wild du tout, vous oubliez cette vidéo, vous raccrochez, vous la regardez jusqu'à la fin pour faire des vues et tout ça, c'est toujours sympa. Ça ne me permet pas de vivre, ça ne me permet même pas de m'acheter des propres boosters, mais c'est cool, j'espère qu'un jour ça fonctionnera. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, préparons-nous au wild, comme ça vous pourrez aller voir la magnifique chaîne Wildstone qui vont faire qui font que du wild, hein, qui vont continuer de faire du wild. Donc je participerai avec eux pour faire du wild low cost et donc voilà, pour préparer à cette partie wild, je dis beaucoup wild, mais sauvage. Voici mes indications. Alors la première chose, c'est qu'il y a un certain nombre de cartes qui vont sortir du standard, notamment les cartes Ragnaros et Sylvanas. Et donc ces deux légendaires qui sont très fortes, qui sont quasiment indispensables dans plein de decks, notamment Sylvanas, je vois pas comment dans quasiment beaucoup de decks elle sera utilisée, et Ragnaros est une très bonne carte aussi, continuera d'être utilisée, et ces cartes vont venir gratuites. Voilà, c'est ce que nous annoncer, elles vont passer dans le Panthéon, donc si vous les avez pas aujourd'hui, faut aller les crafter. Donc pour ça, il faut que vous ayez 1600 poussières x 2, donc l'équivalent de 3600 poussières pour les 3200 poussières, pardon, 3200 poussières pour les crafter. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut que vous économisiez 3200 poussières que vous allez chercher à droite à gauche. Pour cela, je vous indique d'aller regarder un jour un conseil, les vidéos 2 et 3, je crois, qui parlent des poussières que j'ai faites sur ma chaîne. Vous pouvez les retrouver. Peut-être que je mettrai des petits bandeaux un peu au-dessus, sur les côtés, là, sur les côtés. Voilà, là, là, on va s'afficher où j'explique exactement plein de petites astuces pour optimiser ces poussières. Et donc voilà. Et ensuite, les questions, c'est les aventures. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas beaucoup d'aventures et vous vous dites, bon, ben, les aventures qui sont. Si vous pouvez vous les acheter, vous les achetez. Mais des aventures, notamment le Mont Roche Noir, je vous conseille de passer 700 gold pour aller acheter la première aventure qui vous permet d'avoir Torrisan, la légendaire, gratuitement. Alors, pourquoi je dis dépenser 700 gold? Parce qu'on fait le calcul. 700 gold, c'est 7 paquets. 700, 7 paquets. Et voilà, je tiens des stats depuis X temps. Et quand tu as du bol, mais vraiment quand tu as du bol, moi en moyenne, par paquet, si je décrafte tout, je récupère 90 poussières par paquet. Donc si j'ai du bol, quand j'ai eu du bol, c'est on va dire 100 poussières. Imaginons que vous avez 7 boosters et vous ouvrez 7 bons boosters. Vous avez 100 poussières en moyenne par ça. Ça vous fait que 700 poussières. 700 poussières, ça vous fait rien. Ça vous fait un peu plus d'un quart d'une légendaire à crafter, c'est de la merde. Donc globalement, si une instance a une légendaire utile dedans, bah faut aller l'acheter. Et notamment dans la Ligue des Explorateurs, il y a deux cartes qu'il faut absolument aller chercher, qui seront utilisées quoi qu'il arrive no matter what. Notamment, il y a beaucoup d'archétypes qui vont continuer à jouer comme ça. Il suffit d'aller voir dans le top d'Osiris. Reno Jackson, voilà, il nous faut Reno Jackson. Faire du wild sans Reno Jackson, c'est un peu se couper la moitié des possibilités qu'on va pouvoir avoir. Et l'autre carte, c'est Bran. Bran, c'est vraiment une carte qui est trop trop forte. C'est une carte légendaire qui vaut vraiment le coup. Et après, même si je regarde la ville en ruine, bah, c'est Sorfinel beaucoup moins utilisé. Et la dernière, bah, c'est Rafam et Elise qui sont pas des cartes oufissimes. Par contre, Bran et Reno Jackson sont complètement obligatoires. Donc en gros, mon conseil, si vous avez déjà tout Karazhan, mais même si vous n'avez pas Karazhan, vous pourrez vous les acheter plus tard, parce que ça va rester. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous ne pourrez plus acheter la Ligue des Explorateurs, et donc il faut les acheter tout de suite, il faut dépenser 700 gold deux fois pour récupérer à la fois le Reno Jackson et à la fois le Bran. C'est très important. Donc comme je vous l'ai dit, il vous faut 1400 gold minimum, plus, je dirais, 2100 si vous n'avez pas l'aile de Beren avec Torrisan. Il vous faut ça. Et ensuite, il vous faut 3200 poussières. Alors moi, bien sûr, comme je suis quelqu'un qui écoute bien ce que je dis, j'ai les fameuses poussières. Donc je vous montre. Voilà, c'est le direct. C'est comme ça, c'est cool. Et j'achète avec mes golds parce que moi, j'ai envie de continuer. J'ai envie de faire du wild. J'ai envie de vous proposer du wild. Donc c'est parti. Je dépense les 700 golds.
Et en plus, on m'offre des cartes directement. Ça, c'est cool, j'avais complètement oublié. Je m'achète bien sûr l'aile avec Bran. C'est parti, je vérifie juste, j'ai bien enregistré, sinon c'est un peu con de ma part. 700 gold, voilà, j'ai plus rien. J'ai juste de quoi m'acheter ma future arène, si celle-là, je la ruine complètement. Et ça, c'est trop cool. Et là, on est parti, on va pouvoir quitter dans ma collection. On va pouvoir aller chercher. J'ai bien les poussières qui me font bien, donc dans création, j'ai même pu tout désenchanter, voilà, je désenchante tout. Donc techniquement, si vous n'avez pas le Drake Azur, il vous faut aussi draquer le Drake Azur, parce que le Drake Azur, vous le crafterez aussi. Donc pour draquer le Drake Azur, il faut 200 poussières x 2. Donc il vous faut, je dirais, 3200 plus 200, 3400. Si vous n'avez pas les Drake Azur, il vous faut 3400 poussières. Ça, c'est une certitude et on va vous les rendre. C'est ça qui est important, c'est qu'on va vous les rendre. Et je vous conseille de ne pas attendre trop longtemps avant qu'un patch arrive et que le patch fasse vraiment ces mises à jour-là. Et du coup, qu'on ne les donne plus gratuitement. S'ils ne nous préviennent pas, je préfère pas. Donc moi, j'ai pas peur. Hein, moi, j'y vais. C'est bon. Ragnaros, je l'ai pas. Création. Bien sûr, il ne faut pas que je clique sur 5. Ragnaros. Vous ne trompez pas de Ragnaros, il y en a deux. Donc c'est bien le Seigneur du Feu qu'il nous faut. C'est parti. J'entends le bruit. Je monte un peu le son extérieur. On puisse entendre, je sais pas si on va entendre. Par le feu, voilà, bah c'est bon, ouais, c'est fait. Et la fameuse Sylvanus, Sylvanus, hop, c'est parti, c'est pareil. Si on n'entend pas le son, on va mettre plus de son, option, son. Je veux savoir ce qu'elle dit, moi. Voilà, créer. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Oh, c'est tellement beau de crafter des légendaires gratuitement. Ce qui est important, c'est qu'on va me les rendre, ces poussières. Donc ça va être trop cool. Donc voilà, ça c'était un peu les astuces que je voulais vous donner. On n'a plus besoin d'aller dans création, on n'a plus besoin de faire ça. Hop, on va couper le son. Voilà, c'est trop cool. Enfin, on va couper le son, on va le réduire au minimum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, ben voilà, après il faut aller dans les aventures. J'ai fait tous les decks là. Donc j'ai fait les aventures à l'époque. Bon, je pense que vous pouvez les découvrir. Prenez le temps de les découvrir si vous les avez pas fait. Allez pas regarder des vidéos, découvrez pas vous-même. Des instances super, super, super sympas. Bon après, il suffit de wipe une fois et après on comprend vite l'archétype qu'il faut utiliser. Même en étant free to play avec des decks, ça passe facile. C'est vraiment pour le fun, c'est vraiment cool. Il y en a plein, en plus il n'y a même pas un deck. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Si vous pouvez vous acheter d'autres instances, ben vous les achetez, hein, ça vaut quand même le coup sur celle-ci. Je vais essayer de monter des golds pour pouvoir m'acheter celle-là aussi, bien entendu. Comme ça, j'aurai toutes les cartes du Wild. Ça va être compliqué d'aller chercher celle-ci aussi, mais bon. Après ça, au pire, je pourrais le crafter. Il y a peut-être quelques épis qu'il faudrait que je regarde, des épis qui sont nécessaires dans certains decks, mais bon. Je peux le dire, en tout cas, c'est sûr que ces deux-là, c'est nécessaire. C'est nécessaire, elles sont toujours utilisées dans le Wild. Toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis merci de me suivre, continuez de regarder. N'hésitez pas à aller vous abonner à Wildstone si ce n'est pas déjà fait, Wildstone HS. Voilà, je mettrai le petit lien à la fin de la vidéo, et juste après là, donc tout de suite. Et puis comme ça, vous pouvez aller voir d'autres vidéos que je fais. Je vais essayer de revenir un peu plus en forme, mais je vais essayer de revenir avec de nouvelles vidéos, puis voir des nouveaux concepts, et puis voilà, ça, bon, c'est vrai qu'on attend la future extension avec impatience. Je vous dis merci, bye, ciao.